En Côte d'Ivoire. Sinon, vous connaissez? Vous connaissez? Alors, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire et que vous savez que vous avez besoin des blogueurs, ne vous foutez pas des blogueurs. Tiesco. Tiesco. J'ai appris que tu as pris Lolo, tu l'as amené jusqu'à Gagnoa, chez tes parents. Est-ce que toi, petit, tiens pour lui? C'est-à-dire que tu m'as rien dit. Tu m'as rien dit. Je ne suis pas informé. Même ma petite soeur ne m'a même pas informé. Vous vous levez, vous partez à Gagnoa. Vous avez eu la chance que je ne savais pas jusqu'à puis vous êtes revenu. Sinon, j'allais dire au petit de Divo là, de bloquer la route et puis de te chicoter là là. Mais comme tu as déjà fait, il n'y a pas de problème. Moi, il regarde seulement. Ce que je dis, moi, il dit, au moins, il ne vous donne plus cadeau. Mais il y a une chose quand même. Lui qui a la tête, on dirait pingouin. Marco Pingouin. Toi, tu dis que non, tant que toi, on ne vient pas te demander pardon, tu ne peux pas donner autorisation pour mariage. J'ai autorisation de mariage. Tu m'as fait rire, quoi. J'ai ri jusqu'à épicer sur moi. J'ai ri jusqu'à épicer sur moi. Mais je vais te poser une question. Lorsque ta femme, ses parents ne voulaient pas, c'est toi-même qui as dit ça. Lorsque ta femme, ses parents ne voulaient pas que tu l'épouses, qu'elle vienne chez toi, toi, tu as demandé pardon à qui? Lorsque ses parents ne voulaient pas que toi, tu te maries et qu'elle se marie à toi, toi, tu es allé demander pardon à qui? Tu t'es entêté, tu l'as épousé, non? Maintenant, à ton tour, tu veux que on aligne des cas, qu'on aille déterrer Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pour te demander pardon. Et je te dis une chose. Ta fille vient de dépasser 18 ans. Elle est grande. Je crois qu'elle a 20 ans maintenant. Ta fille, elle vient de dépasser 18 ans. Elle, là, tu peux faire ça. Lolo, c'est notre petite soeur, c'est pas ta fille. Elle est libre de se marier à qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut. D'abord, un, c'est toi qui payes sa maison. C'est toi qui payes sa maison. Tu sais pas que elle a besoin d'un mari pour la décharger un peu, parce que ses charges sont trop. Elle doit nourrir ses enfants. Parce que comme toi, tu es vaurien, tu étais là. Qu'elle a fait les autres enfants avec des gens qui ne lui donnaient pas 5 francs. Elle a pris ses enfants et elle-même, elle a en charge de ses enfants. Dieu merci, à cause d'elle, son premier gars dont elle avait parlé, ce monsieur-là, il peut dire que mes enfants sont en France et mes enfants en papier français. Grâce à elle, une pauvre fille qui est partie de nulle part, une pauvre fille qui s'est débrouillée, qui a évolué seule, une mère qui s'est débrouillée avec ses 10 mains pour élever ses enfants. Aujourd'hui, elle trouve un garçon et toi, tu fais problème. Mon frère, je crois que tu es encore célibataire. Toi, tu attends quand même pour te marier. Ça, c'est ce qui devrait te préoccuper. Ce qui doit te préoccuper, c'est toi-même. Comment tu vas faire pour qu'il y ait quelqu'un à la maison pour te cuisiner quelque chose à manger? C'est toi qui... Et toi, tu n'as pas encore trouvé femme. Et puis, on a trouvé ta soeur, on l'a localisée. Et toi, tu te plais. Mais si tu ne fais pas attention à toi-même, célibataire, à la même là, ça va te localiser jusqu'à ta mort. Si tu ne fais pas attention, parce que ta bouche est partout, blah, 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 là où ça ne doit pas être, ça est partout, blah, 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 alors que tu ne payes même pas la facture de la fille. Tu n'as jamais payé un seul billet d'avion pour dire, elle ou ses enfants ou, n'ont qu'à aller en vacances en Australie. Tu n'as jamais rien fait. Même sa voiture, ce n'est pas toi qui as payé. Même pneu de voiture, là, tu n'as pas payé. Au lieu de lui payer pneu de voiture, tu allais payer voiture de salamé, ça. Elle est là. Elle veut faire salon de produits cosmétiques. Depuis là, elle est en train de chercher l'argent, elle est en train de se battre. Pendant qu'elle se bat pour chercher l'argent pour créer produits cosmétiques, toi, tu as donné l'argent à Sarah Messa pour faire un restaurant. Aujourd'hui, elle a trouvé quelqu'un. Comme la façon, toi, tu t'occupes de Sarah Messa. Tu fais un restaurant pour elle, tu payes une voiture pour elle. Elle a trouvé aussi quelqu'un qui va au moins faire son restaurant aussi, qui va payer au moins une voiture aussi, qui va diminuer ses charges. Tu dis non, non, non. Tu dis non, non, non. Quand on a fait la sorcellerie dans la nuit jusqu'à puis ça n'a pas réussi là. C'est là où on vient en pleine journée puis on fait ce que tu fais là. C'est-à-dire que quand on a fini de faire la sorcellerie là, en pleine nuit,
C'est là qu'on vient dans la journée, avec ta tête de pingouin là. C'est là qu'on vient dans la journée, puis on dit gnon, gnon, gnon. Petit, Tiesco, va te marier. Lolo, tu as ma bénédiction. D'ailleurs, je suis l'aîné de la famille, c'est moi qui bénis. Quand papa a fini de bénir, c'est moi qui bénis. Je suis le second qui bénit. Voilà. Donc moi, j'ai déjà béni. Il n'est qu'à aller se faire foutre. Il n'est qu'à aller chercher une femme, ils vont cuisiner pour lui. Avec sa tête là. Tu ne sais pas que quand on a déjà goûté au mariage, on ne s'arrête plus. Tu as goûté le mariage avec Tatiana. Tu attends quoi pour te marier? Donc les enfants là, c'est qui va s'occuper d'eux? Donc tu vas regarder, les enfants là vont. C'est-à-dire que la plus grande va s'occuper des plus petits. C'est comme ça que ça se fait. Non, 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 non. La plus grande doit se concentrer sur ses études. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas encore fait enfant. Donc elle n'a pas encore fait enfant. Et puis elle va avoir la responsabilité de toi, tes enfants. Il ne faut pas chercher femme pour t'occuper des enfants là. Puis il faut rester là. Il faut dire, non, non, tu ne te maries pas. Elle ne se marie pas. Tu vas te coucher avec elle. Si tu veux, on paye pain blanc et puis on va te donner. Et puis tu vas attacher ça sur elle. Et puis vous allez rentrer dans la chambre. Tu vas sortir avec elle. Connerie. Là. Ne cherche pas femme. Hein. Ne va pas te marier. C'est toi qui nous as dit. Sarah Messa, depuis ta femme est morte là, il y a eu Sarah Messa, il y a eu Créole, il y a eu Céréole, il y a eu Carole, il y a eu Cérélac. Tu as ramassé tout ce qui est all et all, même huile d'inor même que tu vends là même là, ça est dedans aussi. Même huile d'inor de chez Diallo, tu as pris dedans. Tout ça là, tu as marié ça. Tout ça là, tu as couché avec. Tu as pris tout coupé de carrière. Un, deux, quand tu attends, on dit coupé. On dit brûlé, 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 bang, bang. Quand tu attends ça net là, tu dis, quand venir, on va faire buzz. Dans buzz, la net là, il y a longtemps, elle est couchée, tu t'es sur ton lit. Tu as tapé toutes les femmes qui font buzz. Tout ce qui fait buzz, tout ce qui fait. Clique là, clique là, oh, 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 clique là, clique là, oh, 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 à couper, à décaler, à tout ça, tu as aligné ça, tu as aligné ça, piou, avec tes petits rêves. Mais quand toi-même tu danses là-même, on sait déjà que tu es dangereux au lit. Toi-même là, quand tu danses, on sait que tu es dangereux au lit. La façon dont tu es dangereux au lit là, c'est comme ça que tu ne veux pas te reposer. Ça, c'est quel homme ça? On t'a enlevé où? Je sais que tu es un Congolais. Donc, parce que tu es un Congolais, tu dois prendre l'enfant des gens pour faire Congo ça sur eux. Tu dois prendre l'enfant des gens pour remuer rien sur eux. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit c'est ce qu'on fait? Parce que tu as des pointes noires, alors tu vas prendre l'enfant déjà, et puis tu as fait j'ai des reins, tu as fait j'ai des reins, tu as fait j'ai des reins, matin, midi, soir. Maintenant, on vient demander la main à ta soeur, tu dis gna gna gna, parce que toi, tu sais très bien ce que tu fais aux enfants des autres. Tu sais très bien ce que tu fais aux enfants des autres, donc on va lui donner toutounou aussi là, tu ne veux pas qu'on lui donne toutounou. Mais elle veut charge, elle a des charges, elle veut diminuer ses charges. Elle veut diminuer ses charges. Tu as fini avec Sarah Messa. Donc tout ce qui est Messa, les Miesa, les Amosa, les Sansa, les Hassan, tout ça là, tu as pris, tu as tiré. Après avoir tiré tout ce qui est créole, céréole, choses comme le pétrole, tout ce qui est all. Après tout ça là, tu as venu maintenant les Sansa, et puis maintenant tu es là. C'est que toi là même là, essence même ça passe pas devant toi. Tu attends sans seulement, tu es dedans. Même au hôpital, quand tu passes devant l'hôpital, les hôpitaux, là, puis tu attends le sang, tu rentres dedans en même temps. Parce que tu crois qu'il y a une sang là-bas que tu peux tirer. Tes petits rires que tu rires, c'est pourquoi tu es toujours en train de danser pour montrer au gars là combien de fois tu as les jeux de reins. Tu vois, est-ce que nous, quand on fait vidéo, on danse? Nous, on danse pas, on est assis. Parce que nous, on n'a pas jeu de reins. Nous, on n'a pas jeu de reins. C'est toi, c'est à cause de ça, tu es un célibataire endurci. Il ne faut pas te marier et puis il faut rester là. C'est toi qui fais vidéo, tu es toujours en train de rouler rien. À tes pieds, on dirait Brandy de balai. Tu es en train de rouler rien. Tu es en train de rouler rien. Petit pingouin, il faut laisser la petite fille aller te marier. Faut laisser la petite fille aller se marier. Va chercher ta femme. Si tu veux, va au Cameroun, va au Gabon, va au Burkina, va au. Tout ce qui est. Country code, va là-bas. Voilà. Va partout. Tchad, tout ça là, va là-bas. Les Tchadiennes sont très jolies. Les Maliennes même là, on ne parle pas. Sénégal même, tu peux partir là-bas. Il y a femme. Tu peux partir au Burundi, il y a femme. Va partout en Afrique. Il faut laisser la petite fille aller se marier. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme et tu n'as aucun droit sur elle. Tu as une grande fille. Il faut la surveiller. C'est elle que tu dois surveiller. Mais avant de surveiller même ta fille et avant de surveiller ta soeur, tu dois savoir que quand tu fais jeter des reins sur l'enfant des gens, quand tu dis aux gens, non, toi tu vas leur rendre service à 5h du matin, on va venir prendre l'argent chez toi. Là. Tu as oublié. Tu as oublié qu'on allait appeler aussi ta soeur pour venir prendre l'argent à 2h du matin.
Tu sais, est-ce qu'on maintenant lui demande de venir prendre l'argent à 2h du matin? Quand elle quitte là-bas, elle ne peut même pas marcher. Elle fait ça. Tu sais, est-ce que c'est bêté ou. Yo, lui là, tu vois pas comment ses reins sont durs là. Lui, ses reins ne bougent pas, mais ce qui est en bas de lui là, yo. Même Pilon n'a rien fait. Même Pilon n'a rien fait, ça ressemble à Mortier. Tiens! Non, mais enfin, elle est prête. Ta soeur a vu ça. Elle dit, même si vous voulez casser la famille, là, elle n'est plus dedans. Moi-même, je lui ai parlé, moi-même, le grand frère de la famille. Quand je lui ai parlé, elle dit, va là-bas. Pour la première fois, elle me dit, va là-bas. Moi, tapé, dit, brisez. Baba, d'air. L'homme qui se lave avec le feu. Je lui parle, elle dit, va là-bas. Tiens! Parce que ce qu'elle a vu, là, elle n'est pas prête à faire ma charrière. Et toi, tu crois que tu peux l'éteindre. Tu crois que tu peux l'arrêter. Toi, t'es qui? Faut pas chercher femme, puis faut rester là. Ça, c'est le message que je voulais te faire passer. Maintenant, à qui le suivant?